Ça fait plus de deux mois qu'on est là, qu'on est dans le camp. C'est pas trop compliqué, parce que c'est notre passion, on le vit carrément. Et on essaie d'encadrer les gosses, pas juste pour le basket, mais les encadrer pour en faire de bons citoyens. La terre est bonne chose à voler. Nous avons aussi un coach qui nous taxe. Nous avons le premier élément à faire maintenant. Nous avons fondé le centre. Nous avons top sur Halaï, tout ça. Après, moi, nous avons remercié le centre parce que nous avons fait nous. On les encadre au niveau scolaire, au niveau de la citoyenneté. Et de la discipline surtout. On s'appuie du basket pour essayer de les encadrer. C'est surtout ça le but, c'est pas juste le basket. Il y a le côté scolaire, le volet scolaire qui est primordial parce que le basket c'est une passion, mais les études c'est une obligation. Après chaque camp, on organise une fête. Et une fête d'abord pour les enfants, ensuite pour une fête pour les récompenser des efforts qu'ils ont fournis à l'école, une fête pour que les gens sachent ce qu'on fait ici. Et cette année-ci, il y a une innovation, on va couronner un roi et une reine, plus les deux révélations, filles et garçons. Nous avons fait pour nous remiser prix. Nous avons fait pour nous meilleurs élèves. Nous avons fait pour nous améliorer. J'espère que ça sera moi. Je l'espère. On va organiser la fête ici même au foyer, le 23, Inch'Allah. Il y aura les autorités, il y aura les parents d'élèves. Il y aura les habitants de ce quartier et pratiquement toute la ville sera là. Chaque année, il y a des fêtes, chaque année, il y a des réussir. Quand on se fait une fête, chaque année, il y a des fêtes. En plus, il y a des gens qui ont moins. En plus, il y a des gens qui ont moins récompensé. Ses parents sont venus, il y a des fêtes pour venir. Nous sommes en camp, nous avons fait un dribble bas, derrière le doigt, entre les jambes. Nous avons fait ce que nous sacrifier. Nous avons sacrifié le coach, nous avons sacrifié le coach. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de entraîner. Nous avons remercié le coach. Je suis entraîné. Tamit coach bi mu ngi defal lepp, mu ngi jëndal mayo, mu ngi jox dal, mu ngi defal lepp. Tamit coach bi baxna bepp bax mën ma ka remercier waye basket bi tamit dafa doon lo xamantene mom la bëgg wax dëgg fa neex yalla bama fi duggé mom ba tay mom ma ngi ci gis lu bax dé té ma ngi ci tékki nak basket bi mom dañuy day gis sax ñu ñëw tok duñ am dal sax coach suñu ñu waw kay leen mu jox ñu dal même suñu amulé yéré pour forcer ñu basket bi fa neex fi lo amul mom mo la koy jox mom bëgg nañ ben bepp bëgg lo bëgg mom da la koy jox. Le premier partenaire, c'est d'abord la mairie. Voilà, parce que le terrain qu'on occupe ici, c'est la mairie qui nous a donné ça. Et les lieux, il y a l'UVS, les noms de Sébi Kotan. Nous, ils nous appuient parce que déjà les gosses sont en cours de vacances. Il y a les plus jeunes qui vont démarrer demain. Donc les plus grands, ils ont démarré depuis le début juillet. Donc voilà, il y a Leno qui est là, il y a le directeur du centre. Et la structure du centre particulièrement, j'exhorte tous les parents d'élèves, les habitants de ce Bicotan à venir fêter avec nous cet événement-là. Parce que ce sera un événement. Il n'y a jamais eu ça à ce Bicotan. Donc on essaie d'élever le niveau. Peut-être un jour on va amener, voilà. Mais il y aura tout le gota du basket. Surtout le haut niveau, les gosses qui jouent en première division, ils vont faire un match de gala.